Donc, bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à cette rencontre d'information sur le nouveau programme d'inspection professionnelle. Mon nom est Stéphanie Napier-Couture. Je suis dans l'équipe des communications et j'agirai aujourd'hui comme animatrice. Donc, tout près de 600 personnes se sont inscrites à l'activité de ce midi. Ce n'est pas rien. Cela témoigne de votre grand intérêt pour le sujet. Comme nous sommes plusieurs ce midi, nous allons, avant de commencer, nous donner quelques consignes communes pour assurer le bon déroulement de la rencontre. D'abord, nous sommes en mode réunion aujourd'hui, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro librement. Nous vous demandons toutefois de garder votre micro fermé tout au long de la rencontre, à moins que l'on vous donne la parole en vous interpellant par votre nom durant l'une des périodes de questions. Il y aura effectivement deux périodes de questions pendant la rencontre, une après le premier segment sur le programme de surveillance et la sélection des personnes à inspecter, puis une seconde après le second segment sur les règlements et le processus d'inspection à proprement parler. Vous pourrez poser vos questions dans le clavardage tout au long de la rencontre. Vous pourrez aussi lever la main pour poser votre question de vive voix pendant les périodes de questions. Nous alternerons entre les questions posées dans le clavardage et en direct pendant les périodes de questions. Lorsqu'on vous interpelle pour poser votre question, vous devrez allumer votre micro, mais libre à vous d'allumer votre caméra ou non durant votre intervention. Tout cela étant dit, c'est maintenant le temps de vous présenter les personnes qui vont vous adresser la parole aujourd'hui. Je vous invite, membres de l'équipe de l'inspection professionnelle, à allumer vos caméras et je cède la parole à la directrice de l'inspection professionnelle, Rosanna D'Orazio, pour qu'elle vous présente son équipe. Merci Stéphanie. Bonjour toutes et tous. C'est un plaisir pour l'équipe de l'inspection professionnelle vraiment de pouvoir échanger avec vous ce midi et répondre à vos questions sur le processus de l'inspection professionnelle. Permettez-moi, avant toute chose, de vous présenter les membres de l'équipe qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, Madame Sonia Bourque, TS coordinatrice. Bonjour. Madame Élise Boulanger, TS médiatrice et chargée de projet. Bonjour tout le monde. Les inspectrices, Madame José Mirabella, TS. Bonjour. Madame Cynthia Nadeau, TS. Bonjour. Madame Jocelyne Cacciatore, TS. Bonjour. Madame Stéphanie Boutin, TS. Bonjour. Madame Chantal Galarneau, TS. Bonjour. Madame Sonia Larche, TS. Bonjour. Madame Normande Leclerc, TS. Bonjour. Madame Nicole Laroche, TS. Monsieur Isidore Néron, TS. Oui, bonjour tout le monde. Et Madame Catherine Germain, TS, TCF, psychothérapeute. Nous pouvons également compter sur le soutien de Madame Annick Dizelay, adjointe de direction. Bonjour. Et Madame Ingrid Odifax, agent de bureau. Bonjour. Alors, à titre informatif, l'équipe d'inspection a de 2 à 35 ans d'expérience comme employé de l'ordre et membre de l'équipe de l'inspection professionnelle. De plus, l'équipe d'inspection détient des années d'expérience dans différents milieux d'intervention, dont le réseau de la santé, bien sûr, les organismes communautaires, la pratique autonome ainsi que les PAE. Les membres de l'équipe ont intervenu auprès de différentes clientèles. Alors, les personnes âgées au programme SAPA, en protection de la jeunesse, en santé mentale, soit adultes ou jeunesse, et y ont réalisé les différentes activités réservées. Merci, Rosanna, pour cette présentation. Donc, avant de vous présenter en primeur notre nouvelle vidéo informative sur le processus d'inspection professionnelle et de laisser la parole à nos deux présentatrices, nous vous invitons à répondre à deux questions qui vont apparaître à l'écran. Et je vais en faire la lecture. Donc, avez-vous déjà fait l'objet d'une inspection professionnelle depuis votre admission à l'ordre? Et la seconde question, quel est votre niveau d'appréhension par rapport au processus d'inspection professionnelle? Très élevé, plutôt élevé, plutôt faible. Très faible, pardon. Donc, on voit les résultats tranquillement.
à l'écran. Donc, on voit que parmi vous, on a 58% qui ont répondu oui. Puis au niveau des appréhensions, mais on voit qu'il y a quand même certaines appréhensions, d'où la nécessité aujourd'hui, je pense, de démystifier le processus d'inspection. Donc, avant de se lancer dans les explications, pour se mettre dans le bain un peu, je vous invite à visionner pour la première fois, en toute primeur, la vidéo qui a été préparée et qui résume le programme d'inspection. Chaque année, l'Ordre inspecte une partie de ses membres pour assurer la conformité des pratiques professionnelles et protéger le public. Pour les personnes inspectées, c'est une occasion de réfléchir à leurs pratiques, de cibler leurs forces et d'identifier des pistes d'amélioration. Ce sont les facteurs de risque énoncés dans le programme de surveillance générale qui déterminent qui sera inspecté. On le retrouve sur le site de l'Ordre. En résumé, le processus d'inspection se décline en trois phases. La préparation, l'inspection et la conclusion. Phase 1. L'Ordre transmet un avis aux personnes qui seront inspectées. À partir de ce moment, elles ont 10 jours pour se préparer. Phase 2. C'est le moment de l'inspection. Elle peut se dérouler en trois étapes: le questionnaire, l'entrevue par visioconférence et la visite sur le lieu de travail. Regardons-les en détail. La préparation terminée, les personnes inspectées reçoivent un lien vers le questionnaire. Elles reçoivent aussi l'appel d'un inspecteur ou d'une inspectrice qui va les accompagner pendant l'inspection. Le délai accordé pour compléter les modules du questionnaire et remettre les documents demandés est de 30 jours. Une fois le questionnaire complété, l'inspection se termine pour plusieurs, mais certaines personnes passent à l'étape suivante. Ces personnes sont contactées pour planifier l'entrevue par visioconférence et discuter de son objectif. La convocation est transmise au moins 10 jours avant l'entrevue. L'entrevue sera l'occasion d'échanger sur un ou deux dossiers clients. Après l'entrevue par visioconférence, quelques personnes sont contactées pour planifier une visite sur le lieu de travail. Encore une fois, la convocation est transmise au moins 10 jours avant la visite. La visite sera l'occasion de regarder de plus près l'environnement de travail et les dossiers clients. Phase 3. L'inspection est terminée pour l'ensemble des personnes inspectées. C'est le moment de prendre connaissance du rapport d'inspection. La personne responsable de l'inspection professionnelle y formule des commentaires et peut demander des améliorations à la pratique. Si d'autres mesures sont envisagées, les personnes concernées en seront informées. Les personnes inspectées peuvent demander des précisions si elles en ressentent le besoin. Rappelez-vous, le processus d'inspection, c'est l'occasion de consolider vos compétences. C'est aussi une façon de renforcer votre identité professionnelle. Et n'oubliez pas, notre équipe est là pour vous accompagner. Donc, vous avez eu un avant-goût du programme. C'est maintenant le moment d'aborder tout ça plus en profondeur. Donc, dans un premier temps, vous êtes plusieurs à vous être demandé, pardon, si on n'inspecte plus les gens par ordre alphabétique comme c'était le cas avant, comment choisissons-nous maintenant les personnes inspectées? Et donc, j'invite Rosanna à vous en dire un peu plus sur le programme de surveillance et sur la sélection des personnes inspectées. À toi, Rosanna. Merci, Stéphanie. Alors, tout d'abord, le programme de surveillance générale annuel s'inscrit vraiment dans une visée de protection du public, en surveillant l'exercice des deux professions, bien sûr, TS-TCF, et la qualité des activités professionnelles des membres de l'Ordre. Enfin, de s'assurer que tous les professionnels possèdent les compétences nécessaires à l'exercice de leur profession. Dans ce contexte, les TS et les TCF devront à certains moments de leur carrière s'engager dans un processus d'inspection professionnelle. Un moment privilégié, vraiment, pour réfléchir à sa pratique professionnelle. Enfin, pour y arriver à sélectionner les membres à inspecter, l'Ordre cette année et pour le prochain programme a opté pour une approche de gestion de risque. Pour ce faire, la personne responsable d'une inspection professionnelle priorise les inspections à effectuer en se basant sur les éléments suivants. Alors, est-ce que c'est une première inspection professionnelle?
Est-ce qu'il y a un délai écoulé depuis la dernière inspection professionnelle de la personne inspectée? Dernier rapport d'inspection comportant des manquements significatifs et des points à améliorer? Est-ce que la personne exerce plusieurs domaines de pratique? Déclaration d'un nouveau domaine de pratique, réinscription au tableau après peut-être une absence prolongée, réception d'informations de la part du bureau de syndic, un dossier de formation continue aussi. Est-ce que la personne a tous les heures dans sa période de référence? Et aussi, nombre de décisions disciplinaires au dossier. Alors, pour l'année 2024-25 en cours, l'objectif est d'inspecter 600 travailleurs sociaux et travailleurs sociaux et les critères pour prioriser la sélection des membres sont les suivants. Alors, les trois objectifs sont, est-ce qu'on exerce en pratique autonome, exerçant la profession depuis moins de 7 ans et exerçant la profession depuis plus de 20 ans et qui n'ont jamais fait l'objet d'une inspection professionnelle. Il y a un quatrième objectif aussi qui est dans tout autre contexte de pratique et à la discrétion pardon, du responsable de l'inspection professionnelle. Alors, voilà les quatre objectifs que pour l'année 2024-25, on inspectera. Alors, pour plus d'informations, bien, je vous invite à faire la lecture du programme de surveillance générale annuelle qui sera à l'instant déposé dans le calvardage. Et de plus, bien, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Ordre. Merci, Rosanna. Donc, pour cette présentation, on serait maintenant rendu à une petite période de questions. On aura un 5-7 minutes pour une période de questions. À ma connaissance, il n'y a pas énormément de questions dans le clavardage. Je vois toutefois, si je ne m'abuse, une main qui était levée. Je ne sais pas si c'était pour une question. Je vois, madame, oui, je vois des mains qui se lèvent, donc. Oui, bonjour. J'ai travaillé dans un CLSC, je suis une SAC, mais aussi j'ai une pratique autonome. Mais dans cette pratique, j'ai seulement supervisé mes associés. Depuis 2 ans ou 3 ans, je n'ai pas une cliente pour moi, comme je n'ai pas fait un mandat de homologation ou quelque chose comme ça. Je suis seulement supervisé quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, comment, si je suis sélectionnée pour une inspection, comment vous inspectez moi parce que j'ai les notes de supervision, mais je n'ai pas les notes de les clients ou choses comme ça. Alors, très bonne question. Merci beaucoup. C'est sûr que si vous êtes dans la pratique autonome et vous n'exercez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas de clientèle comme telle, pour cette année, bien, vous allez être exempté. Alors, on va vous demander, si vous êtes sélectionné, d'aller dans votre espace sur le lien de l'ordre. Et dans mon espace, mon inspection, vous pouvez faire une demande d'exemption si jamais c'est le cas que vous allez être sélectionné pour être inspecté dans le futur. Merci, Rosanna. Je vois une question en termes de nombre d'inspections qui est dans le chat pour les TCF. On parle de combien d'inspections pour les TCF par année? Puis aussi, il y a une deuxième question qui va un peu dans le même sens. On parle de combien de pourcentage des membres qui sont inspectés chaque année environ? Okay. Alors, pour cette année, comme on vient de mentionner, on est sur 600 inspections pour les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales. La raison, c'est parce qu'on vient de débuter avec un nouveau programme. Les TCF vont être inspectés à partir de l'année prochaine. Le fait, c'est que cette année, on travaille toujours sur la documentation et le questionnaire pour les TCF. Alors, les TCF, ça va être en deuxième année de les 3 ans sur le programme qu'on est présentement. Et pour le pourcentage, normalement, on devrait être environ un 10% de notre population. Alors, on est 16 000 membres. Alors, si on fait le calcul, on parle entre 1 300 à 1 600 inspections par année que l'Office des professions nous demande de faire. Merci, Rosanna. Je vois qu'il y a la main levée. Vous pouvez poser votre question.
Oui, merci. J'aimerais juste savoir, en fait, là, vous avez nommé les critères qui étaient pour la 2024-2025. Est-ce que les critères vont changer d'année en année? Est-ce qu'on va avoir accès à ça ou ça va toujours être ces personnes-là qui sont priorisées au niveau des inspections? Très bonne question. Merci. Oui, alors pour cette année, c'est les critères qu'on a choisis et de chaque année, ça va être des critères différents, c'est-à-dire on est sur une gestion de risque. Dépendant de les résultats, chaque année, ça peut varier. Alors cette année, ça donne que c'est ces trois-là. L'année prochaine, dépendant de qu'est-ce qu'on ressort de nos questionnaires et de l'analyse, ça peut être autre indicateur qu'on va les choisir. Et vous allez nous les dire ou... Oui, alors OK. oui. Alors chaque année, le programme de surveillance générale est annuel. Alors le fait que c'est annuel, par la loi, on est obligé de toujours le mettre sur le site de l'Ordre. Alors à chaque année, à partir du 1er avril, le programme de surveillance est toujours déposé sur le site de l'Ordre. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver à chaque année les objectifs. Alors, bonjour, tous les collègues. C'est très... Très plaisant de savoir que nous sommes tous là. Mais quand vous dites l'année, est-ce que c'est l'année qui débute comme là avec le nouveau projet de loi en juin? C'est de fin mai. Quand vous dites pour l'année, là, ça débute à quel moment? Alors, bonne question, merci. Alors, effectivement, on a un nouveau règlement qui vient d'être approuvé par l'Office et rentrera Oui. en vigueur le 1er juin 2024. Alors, notre année financière, comme vous savez, un peu comme dans le réseau, est toujours à partir du 1er avril jusqu'au 31 Oui. mars. Mais cette année, on a prolongé notre année. Alors, on termine le 31 mai. Alors, OK. notre année en cours va vraiment débuter avec le nouveau programme. Nouveau règlement, 1er juin 2024 jusqu'à le 31 mars 2025. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question? Allez-y, si mes Oui. collègues me disent que c'est correct, allez-y. D'accord. La deuxième question, c'est que j'avais déjà vu passer dans les courriels informatifs que les personnes qui étaient visées pour une inspection pour la prochaine année, on devait être avisé dans le mois de mai. Est-ce que c'est une fausse interprétation? Non, pas du tout. C'est OK. effectivement ça. C'est effectivement ça. Alors, nos premiers avis ont déjà parti hier, le 27 mai. OK. Alors, on a commencé tout petit comme cohorte, mais effectivement, le premier cohorte est déjà avisé. OK, merci. Plaisir. Je pourrais donner une question. Dans le fond, on a une membre qui nous demande qui a 11 ans de pratique, mais qui est en pratique autonome depuis moins de 2 ans. Donc, est-ce qu'elle pourrait être éligible pour le critère là, de pratique autonome? Alors oui, effectivement. Alors, dépendant de les cohortes, parce que nous, on va choisir vraiment sur les trois objectifs qu'on vient de vous nommer, on va aller choisir un pourcentage par cohorte. Alors, si vous êtes en pratique autonome, ça se peut que vous pouvez tomber en pratique autonome, même si vous êtes moins de 2 ans. Mais si vous êtes en 11 ans et plus, alors ça se peut que vous n'êtes pas dans l'inspection de 11 ans et plus. Mais si vous avez la pratique autonome, effectivement, vous pouvez tomber dans cette catégorie-là. Alors, on a 600 à faire. Gardez en tête que on a un pourcentage par objectif. Alors, on s'est donné environ 200, 200, 200 pour arriver aux 600. Alors, environ un 33% par objectif. Oui, bonjour. Moi, je Bonjour. travaille pour un programme d'aide aux employés et on n'a pas la possibilité, quand on travaille pour un programme d'aide aux employés, de, comment je pourrais expliquer ça, de faire notre évaluation du fonctionnement social de la même façon parce qu'on doit remplir des cases. Alors là, je me demandais, puis il y a deux autres personnes qui se demandaient aussi si on doit faire un dossier en parallèle. Bien, pour aujourd'hui, je pense pas que je vais. C'est une très bonne question. On va la noter, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour aujourd'hui. C'est vraiment sur l'inspection comme telle, le nouveau programme, mais on le prend en note et on pouvait toujours vous revenir avec vos collègues aussi. Merci. Merci à vous. Donc, on va passer à la deuxième partie de la présentation qui porte sur le règlement et le processus d'inspection professionnelle. Et donc, je recède la parole à Rosanna qui va d'abord vous parler du nouveau règlement.
Alors, rebonjour, on se retrouve. Alors, comme on vient de dire, effectivement, l'objectif pour cette année, c'est vraiment d'aller vers les 600. Mais l'objectif du nouveau règlement, c'est vraiment pourquoi? Ben, c'est vraiment pour réduire les délais et les suivis pour vraiment optimiser le processus d'inspection professionnelle. C'est aussi d'introduire une gradation de l'inspection en fonction des résultats et des facteurs de risque. C'est pour accompagner les personnes inspectées, vous, comme membres, durant tout le processus d'inspection professionnelle. C'est de favoriser une posture réflexive par rapport à la pratique professionnelle. Et bien sûr, c'est d'améliorer l'efficacité de la gestion des documents et de réduire tous les risques de compromettre la confidentialité des données à l'aide d'une plateforme sécurisée pour le dépôt de documents dans mon espace, mon inspection. Quand on parle d'objectifs du nouveau règlement, les trois mots clés que j'aimerais vraiment que vous reteniez d'aujourd'hui, c'est vraiment alléger le processus, d'accompagner les membres et tout ça dans le but de continuellement améliorer la pratique professionnelle. C'est quoi les nouveautés, surtout pour le comité d'inspection professionnelle? Sachez que le conseil d'administration, il a attribué ses pouvoirs du conseil d'administration en vertu des articles 55, la 112 et 113 du Code des professions au comité d'inspection professionnelle. Ils ont nommé cette année 5 membres. Ils vont être nommés bientôt, excuse-moi, le mois de septembre, mais ils nomment 5 membres plutôt que 9 au comité d'inspection professionnelle. Et le mandat est prévu de 3 ans, renouvelable, pour un maximum de 3 mandats consécutifs par membre sur le comité. Et on va à la prochaine. Le comité d'inspection professionnelle se réunit en division de 3. Alors, malgré qu'on ait 5 membres, c'est toujours en division de 3 pour l'étude des recommandations qui lui sont soumises par la PRIP, qui est la personne responsable de l'inspection professionnelle. Et c'est un comité qui va devenir décisionnel, puis le mandat principal, ça va être vraiment de procéder à l'analyse du dossier de la personne inspectée, de formuler sa décision motivée dans les 60 jours suivant la réunion. Et bien sûr, si jamais il y a des impositions de stage ou d'un cours de perfectionnement ou autres mesures prévues par le nouveau règlement, bien à ce moment-là, ça va être dans leurs décisions et dispositions à faire. Si on parle de la personne responsable de l'inspection professionnelle, qui est moi-même comme directrice, elle est nommée par le CA. Conformément à l'article 90 du Code des professions, elle a vraiment le mandat de surveiller l'exercice des deux professions, TSTCF bien sûr, et elle a aussi la responsabilité d'élaborer le programme de surveillance générale annuel qui est toujours approuvé par le CA à chaque année, le mois de février. La PRIP aussi, elle voit à émettre des commentaires à la personne inspectée à la suite de l'inspection professionnelle afin qu'elle peut entreprendre les actions nécessaires pour améliorer sa pratique professionnelle. Alors, quels sont les commentaires qui peuvent se retrouver suite à une inspection professionnelle? Ça peut être de réaliser une ou des lectures, ça peut être de compléter une ou des formations, comme ça peut être d'obtenir des heures de supervision avec une remise de rapport, comme ça peut être aussi la demande que la PRIP peut faire d'avoir une tenue de visite de suivi par l'inspecteur ainsi qu'une tenue d'inspection professionnelle approfondie qui est sur la compétence. Les nouveautés des inspectrices-inspecteurs, je vais laisser la parole à ma collègue Sonia pour vous partager un peu les nouveautés pour les inspecteurs. Mais pour le prochain règlement, dans le fond, les inspecteurs et les inspectrices pourront réviser l'analyse et analyser les livres, les dossiers, les rapports ou tout autre document relatif à l'exercice professionnel. Pourra aussi, dans le fond, interroger la personne, soit en la soumettant à des questionnaires ou en organisant une entrevue de dirigée ou semi-dirigée. Elle pourra aussi observer directement l'exercice de la profession de la personne inspectée.
Bien sûr, l'inspecteur, l'inspectrice pourra être assisté d'un autre inspecteur, d'une autre inspectrice ou d'une personne experte. Et maintenant, elle pourra également là, rencontrer le gestionnaire ou toute autre personne là, qui sera jugée là, pertinent là, lors de l'inspection. Alors, quelles sont les visées de l'inspection? Bien sûr, l'inspection se veut vraiment un moment, une opportunité là, de réflexion là, sur sa pratique là, professionnelle. C'est vraiment dans l'objectif hein, d'accroître son sens là, critique, d'identifier là, ses forces et en même temps d'identifier les éléments là, qu'on souhaite améliorer là, dans notre pratique professionnelle. Ça permet également là, d'actualiser là, nos connaissances en lien avec les lois, les règlements ainsi que les normes là, de pratique. En vue de vraiment consolider là, nos compétences pour exercer notre profession là, en conformité avec les lois, règlements et normes. Bien sûr, l'équipe de l'inspection est disponible et elle sera là pour vous accompagner là, tout au long là, de votre inspection dans une perspective d'amélioration de la pratique pour assurer là, la protection là, du public. Donc, comment se déroulera là, le prochain processus là, d'inspection? Dans le fond, notre processus d'inspection maintenant se décline en trois phases. Donc, comme on a pu voir dans la vidéo, la phase 1, il s'agit de la phase préparation. Donc, les personnes inspectées reçoivent un avis là, d'inspection professionnelle. Durant cette période de préparation, elles sont invitées à faire des lectures là, préparatoires qui seront suggérées là, dans l'avis d'inspection. Elles sont aussi invitées à mettre à jour mon profil et également là, mon espace de formation. Donc, mettre à jour les formations continues qu'elles auront suivies. 10 jours plus tard, elles recevront l'accès là, pour l'ouverture là, du questionnaire. Si durant ce moment-là, elles constatent qu'elles n'est pas en mesure de poursuivre l'inspection, elles peuvent faire une demande là, de report, de prolongation ou d'exemption via mon espace là, inspection. Donc, la deuxième phase, il s'agit de la phase là, d'inspection. Donc, comme je disais, 10 jours plus tard, la personne reçoit l'ouverture de son questionnaire. Donc, elle peut débuter la complétion du questionnaire. Donc, la première étape, elle aura 30 jours dans le fond là, pour répondre aux questions du questionnaire qui sera déposé là, en ligne et également de déposer une liste de dossiers clients. Durant les premières journées là, de l'ouverture du questionnaire, la personne inspectée va recevoir également un appel d'un inspecteur pour les accompagner dans le processus d'inspection, donc de répondre à toutes les questions, puis en même temps de discuter du processus d'inspection. Après l'analyse, quand le questionnaire est terminé de compléter, 30 jours plus tard, l'inspecteur procède à l'analyse du questionnaire. Donc, il s'agit du même inspecteur avec qui la personne inspectée a eu son premier appel. Et après l'analyse, le parcours peut se terminer à ce moment-ci ou se poursuivre. Et à ce moment-là, elle recevra également un avis qui l'informera qu'elle passera à l'étape 2. Et l'étape 2, dans le fond, c'est la rencontre avec une ou un inspecteur par visioconférence et avec l'analyse d'un ou dossier client. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on envoie le dossier client à l'inspecteur. Et par la suite, pour une minorité de personnes, l'inspection peut se poursuivre à cette étape-là et elle recevra la visite d'un ou d'une inspecteur sur le lieu de travail. Et par la suite, l'inspection se conclut à la phase 3. Donc, la personne inspectée reçoit son rapport d'inspection. Elle prend connaissance, en fond, des commentaires de la PRIP, de la personne responsable de l'inspection. Elle prend connaissance également des aspects qui sont améliorés dans sa pratique. Elle peut faire une demande de précision s'il y a des choses qu'elle souhaite mieux comprendre ou clarifier. Il y aura également un sondage à remplir aussi, afin que nous aussi, on puisse prendre en considération vos commentaires et s'améliorer dans notre processus. Et bien sûr, selon le règlement de la formation continue, jusqu'à un maximum de 3 heures de formation peut être ajouté en lien avec les lectures qui ont été effectuées. Donc, c'est vraiment en fonction du nombre de lectures, du nombre d'heures de lecture que vous aurez effectuées. Et bien sûr, c'est sous toute réserve de la période de référence où on peut déclarer un maximum de 3 heures pour cette activité. Et c'est la fin de l'inspection. Donc, si on reprend dans le fond pour la prochaine diapo, le questionnaire, juste un
peu plus en profondeur. Donc, le questionnaire va se diviser là, en 4 modules. Donc, le premier module, c'est le profil professionnel. Le deuxième, deuxième module, c'est dans ce module-là qu'on voit plus le processus d'intervention là, sociale plus en profondeur. Le module 3, c'est un module dans lequel vous choisissez un dossier client dans lequel vous allez pouvoir l'analyser. Donc, c'est beaucoup plus des questions ouvertes là, d'analyse, de réflexion sur le processus d'intervention, mais dans un dossier là, en particulier. Et le module 4, c'est une réflexion en lien sur vos objectifs là, d'amélioration là, continue. Donc, comme vous voyez dans les modules, il y a autant des questions ouvertes, il y aura également là, des questions là, fermées. Et bien sûr, comme je l'ai mis tout à l'heure, le délai pour remplir le questionnaire est de 30 jours. Donc, si on voit le processus d'inspection en tant que tel, donc les 3 étapes, donc toutes les personnes là, visées par l'inspection vont recevoir le questionnaire. De ce nombre, environ 30 % des personnes inspectées vont réaliser une entrevue, avec un inspecteur ou une inspectrice avec le dépôt de 1 ou 2 dossiers clients. Et de ce nombre, environ 1 % là, recevront l'inspecteur ou l'inspectrice dans leur lieu là, de travail. Donc, on pourrait passer, dans le fond, aux prochaines étapes. Je redonne la parole à Rosanna. Alors, merci Sonia. Alors oui, effectivement. Alors, la première année, comme vous constatez, ça va être pour les travailleurs sociaux et travailleuses sociales, mais le développement de questionnaires spécifiques pour les thérapeutes conjugaux et familiaux, ça s'en vient. Les médiateurs familiaux, bien sûr, les psychothérapeutes. Alors, tous ceux qui aussi n'interviennent pas directement auprès des clientèles TSTCF, alors les spécialistes en activité clinique ou bien les gestionnaires ou bien les cordeaux cliniques, sachez qu'il va y avoir des questionnaires dans l'avenir et qu'on peut quand même passer à l'inspection sans nécessairement avoir une tenue de dossier. Alors, ça s'en vient. Alors, on n'est pas aujourd'hui complète avec tous les questionnaires, mais pour ces prochaines 4 questionnaire à venir, ça va être cette année qu'on va continuer à travailler là-dessus pour espérer de le déployer l'année prochaine. Alors voilà pour la présentation pour aujourd'hui. Je ne sais pas, je vois qu'il y a pas mal de questions demain peut-être. Alors à vous la parole, Stéphanie. Oui, donc on va passer à la période de questions. On a un beau 25 minutes d'ici 13 heures. Donc si vous voulez poser vos questions de vive voix. Dans le fond, une question, c'est en début de présentation, là, vous disiez que vous aviez vraiment porté une attention particulière à l'aspect de la confidentialité, justement, de l'utilisation de la plateforme pour miser sur la sécurité des informations. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y aura plus l'utilisation de... Moi, ça m'avait rendu mal à l'aise personnellement pendant mon inspection là, d'envoyer un dossier, des dossiers complets de clients papier là, par la poste. Donc, ce que j'en comprends, c'est que ce serait transmis via la plateforme confidentielle, c'est ça? Alors oui, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'on est très conscient que vous travaillez une bonne majorité dans le système de la santé. Alors, les archivistes, comme vous savez très bien, n'ont pas accès à votre espace parce que c'est votre espace à vous comme membre. Si jamais vous pouvez avoir accès à la copie de ces dossiers-là pour les déposer dans la plateforme sécurisée sur mon espace, ça sera très, très, très sécurisant pour nous, effectivement. Mais on est, comme j'ai dit, consciente que ça ne pourrait pas se passer comme ça pour tout le monde. Alors, si les archivistes ne pourront pas vous remettre le dossier pour que vous-même, vous pouvez le numériser et nous l'envoyer sur la plateforme, et là, on va continuer avec soit le dépôt dans notre boîte d'inspection par courriel ou bien on continue en format de papier. Mais on essaie de vraiment s'éloigner le plus possible de format papier pour vraiment aller vers le dépôt directement. Et je vous invite vraiment fortement de consulter les infolettres dernièrement qu'on a eues avec tous les changements de notre programme, tous les détails sont là-dedans. Alors, si jamais vous n'avez pas eu la chance de les lire, je vous encourage fortement. Ça peut répondre à plusieurs de vos questions, surtout avec le dépôt. J'espère que ça répond. Oui, ça répond. Mais en fait, moi, c'est ça. J'aurais eu la possibilité de le numériser, mais à ce moment-là,
Ça fait quand même quelques années, là, j'avais eu l'obligation quand même de l'envoyer par courrier. Excellent. Puis, si vous me permettez, j'aurais une autre précision en lien avec ça. J'aimerais, si j'ai bien compris, la transmission de dossiers clients se fait seulement à l'étape 2, donc l'entrevue par vidéo avec un inspecteur ou une inspectrice. Cependant, je me demandais, dans l'étape 1, lorsque vous dites transmettre la liste de dossiers clients, est-ce que c'est simplement vous informer de quel dossier ou de quel numéro de dossier avec lequel on a travaillé pour remplir le questionnaire ou c'est quoi la liste de dossiers clients? Alors, la liste de dossiers clients, c'est votre charge de cas. Alors, tout ce que vous avez activement en charge ou que vous avez fermé les dossiers dernièrement, on vous demande de les déposer en l'étape 1 avec le questionnaire complété. La raison, si jamais, suite à l'analyse de l'inspectrice de votre questionnaire, on passe à l'étape 2, ben, quand l'inspectrice va faire l'appel, ben, elle a déjà la liste en main avec vous. C'est vraiment un moment d'être plus efficace, efficiente. Alors, tout va être déjà à notre disposition pour que si jamais on se rende à l'étape 2, on va être plus en mesure de vous répondre rapidement, de dire, ben, est-ce qu'on peut réviser la liste ensemble et choisir un dossier ensemble? OK, donc parce que c'est ça, donc on ne transmet pas de dossier à cette étape-là, on transmet À seulement l'étape 1, effectivement, non. À l'étape 1, il n'y a pas de remis de dossier ou de dépôt de dossier. C'est vraiment à le module 3, comme Sonia vient d'expliquer dans la présentation. Vous devrez faire votre analyse d'un dossier que vous allez choisir. Vous allez faire l'analyse dans l'étape 3, mais il n'y a aucun dépôt de dossier à l'étape 1. On Merci est beaucoup. vraiment sur questionnaire à ce moment-ci. Merci pour les éclaircissements. Je suis certaine que ça en éclaire bien d'autres également. On avait une question dans le clavardage. Est-ce qu'on devrait avoir l'autorisation du client pour transmettre son dossier à l'ordre? Alors, comme vous savez, par la loi, on est vraiment protégé par la loi, c'est que c'est une obligation. Tout professionnel doit passer par le système de la santé ou pratique autonome, on doit passer par nos obligations professionnelles. Alors, non, le membre n'est pas tenu d'être informé ou avoir son accord parce que la loi nous protège comme quoi qu'on a l'obligation d'aller vérifier que la profession est bien à l'auteur et que la personne est bien compétente de faire le travail qu'elle fait. Alors, non, ce n'est pas nécessaire. Merci. On aurait une autre question aussi dans le clavardage. Puis-je soumettre un dossier dont ma date de prise en charge est en 2023 si le dossier est fermé depuis peu? Ça répond à la question. Puis je voyais aussi passer, avant de retourner avec des questions des personnes qui ont la main levée, quels sont les critères qui justifient de façon résumée le passage du questionnaire à l'entrevue, puis de l'entrevue à éventuellement la visite terrain. Là, c'était une question qui était en deux volets. Alors, comme on a nommé au début de la présentation, très bonne question pour ceux qui la posent. Comme vous savez, on est sur une gradation, puis on a opté comme ordre d'aller vraiment avec une gestion de risque. Alors, en premier temps, c'est le questionnaire qui est envoyé. Suite à l'analyse du questionnaire, l'inspecteur va vous communiquer. Et si, par exemple, suite à cette analyse-là et suite aux gestions de risque, on constate que la personne doit poursuivre, mais à ce moment-là, la personne va être communiquée par l'inspectrice et elle va vous aviser que, à ce moment-là, suite à l'analyse et suite au fait qu'on est sur une gestion de risque, il va y avoir certaines aléatoirement qui vont passer par ce processus-là. Alors, l'inspectrice va vous aviser suite à son analyse de dire, ben là, j'aimerais vraiment avoir votre dossier qui était analysé pour le module 3. Et si vous êtes en pratique mixte à ce moment-là, bien, ça va être deux dossiers. Ça veut dire un dossier que vous avez analysé dans le module 3, qui est vraiment le dossier de pratique autonome, et par la suite, le deuxième dossier de votre deuxième pratique. Alors, voilà la façon que c'est fait. Puis d'aller à l'étape 3, la même chose. Suite à l'analyse du questionnaire, suite à l'entrevue, suite à l'analyse des dossiers,
S'il y a encore une gradation, hein, toujours sur la gestion de risque, si on est toujours sur la gradation de ces risques-là, l'inspectrice ou l'inspecteur constate que ça va être important d'aller sur les lieux, mais à ce moment-là, l'inspecteur va vous aviser 10 jours à l'avance et prendre rendez-vous avec vous pour se déplacer dans votre bureau. Merci, Rosanna. En complément de la question, ce que vous dites, à la phase 2, étape 1, qu'on doit déposer la liste des dossiers de clients, est-ce que c'est la liste des dossiers de clients depuis les 5 dernières années ou si c'est la liste des dossiers de clients qui sont ouverts actuellement au moment de l'inspection? C'est les dossiers que vous avez depuis la dernière 2 ans. Alors, Ah, c'est les derniers 2 ans. vraiment ouvert ou fermé dans la dernière 2 années. OK, les 2 années précédant l'inspection et non l'année civile. Ben, l'année en cours, bien sûr, parce OK. que c'est et on peut reculer jusqu'à 2 ans. OK, Oh, d'accord. c'est dernière année, pardon, corrective, dernière année. Dernière Pas année. pas 2 ans, mais dernière année, pardon. OK. Alors, si je comprends bien, si j'ai une inspection en juin 2024, je prends les 2 ans à partir du 30 avril, du 31 mars, c'est C'est ça? la dernière année. Alors, si par exemple, vous avez reçu votre avis d'inspection aujourd'hui, Oui. le 28, vous reculez de 1 an depuis le 28 mai 2023. OK, c'est beau. Puis, j'aimerais aussi, comme Mais deuxième question, oui, allez-y, si je Rosanna. peux aussi, alors, c'est sûr que quand l'inspectrice va vous communiquer à ce moment-là, elle, avec la charge de cas que vous avez avec vous, elle va vous poser des questions. Elle veut connaître qui vous êtes, hein, comme professionnel, qu'est-ce que vous faites, comme quelle population avec qui que vous travaillez. Alors, c'est sûr qu'avec le choix de dossier à analyser, ou bien si on est sur un dossier à déposer, ça se passe avec l'inspecteur, l'inspectrice. Alors, le choix que vous allez faire, elle va vous guider dans tout ça. Alors, ce n'est pas vous toute seule à le faire. L'inspectrice est là qu'on parle de vous accompagner. C'est ça l'accompagnement. Vous allez recevoir l'appel pour que, avec vous, elle va discuter votre charge de cas et de comprendre un peu plus qui vous êtes comme professionnel pour qu'ensemble, vous pouvez choisir le dossier à analyser et nous soumettre si on est sur l'étape 2. Oui, parfait. J'aime beaucoup l'approche bienveillante de l'inspection professionnelle. C'est Ben, quand si vous me même très. permettez, chers collègues, Oui. c'était un rêve de vraiment réaliser ce projet-là pour moi. Oui. Après 30 ans sur le terrain et 6 ans maintenant à l'ordre, c'est vraiment un rêve incroyable. Le Oui. pourquoi, j'ai été inspectée 3 fois dans ma carrière et j'y Oui. crois tellement dans l'inspection parce Oui. que c'est là notre identité professionnelle et Oui. surtout au début de profession, quand on rentre dans la profession pour la première fois puis on est inspecté. Ça Oui. vous donne la ligne vraiment tout droite de qui vous êtes, de comment vous devrez vous comporter comme professionnel, vos obligations professionnelles, vos Oui. compétences. Alors, j'y crois tellement. Alors, la bienveillance pour moi, c'est super importante et pour toute l'équipe. Oui, parce qu'on travaille fort. Sans doute, je vous crois. Je vous ma crois. deuxième question qui est très courte, lorsque vous dites la personne experte, alors c'est quoi les critères qui apportent une qualification à un travailleur social pour être un expert? Alors, présentement, au début de la présentation, je vous ai présenté toutes mes belles collègues. Oui. Et c'est sûr que certaines n'ont pas nécessairement le permis, soit de la psychothérapie ou bien la médiation familiale. Alors, dépendant de une inspectrice, dépendant de qu'est-ce qu'elle a comme permis, si par exemple ça Oui. nous nécessite d'aller vers un expert, ben voici, elle va être accompagnée par une médiatrice familiale pour que le travail se fasse ensemble et qu'on inspecte vraiment le tout ensemble avec les bonnes compétences de chacune. Et de plus, si on a un expert, si par exemple on est dans la psychothérapie, l'office nous oblige que si la personne est un psychothérapeute, surtout sur une inspection portant sur la compétence,
on doit toujours être accompagné par un psychologue de l'ordre des psychologues. Alors voilà une autre façon de définir experte. OK. D'ailleurs. Mais en médiation familiale, on retrouve à quel endroit on retrouve la qualification d'expert? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que c'est un nombre de dossiers, de mandats réalisés? Est-ce qu'il y a des critères précis pour Oui, alors la qualifier la personne, personne d'expert? oui, la personne doit toujours avoir eu, on a quand même une liste de critères à l'interne pour aller OK. choisir l'expert, de s'assurer que OK. son dossier, il y a une vérification qui est faite. OK. Alors oui, tout ça est à l'interne, on l'a. D'accord. Merci. Merci. Donc, Rosanna, d'ailleurs, on avait une question par rapport au TS psychothérapeute. Est-ce qu'on sait à peu près combien sont inspectés chaque année? Est-ce qu'on a des barèmes à cet égard-là? Cette année, on a choisi de ne pas aller vers TS psychothérapeute parce qu'on débute un nouveau programme. Mais pour le pourcentage, je ne pourrais pas vous dire pour le moment. On le prend en note et on pourrait toujours l'afficher sur le site de l'Ordre dans notre site web de l'inspection. Mais pour cette année, soyez assurés qu'on n'est pas là. On n'inspecte pas de TS psychothérapeute. Merci. Puis on a quand même plusieurs questions, là, peut-être clarifiées sur la question de la confidentialité. Les dossiers qui sont transmis avec les noms, avec les numéros de dossier, est-ce qu'on transmet tous les dossiers, seulement quelques-uns? Peut-être juste rappeler ce qui est attendu, en termes de confidentialité et de transmission de dossiers. Alors, c'est sûr que quand on parle de dossier à déposer pour l'étape 2, et on parle de vraiment un à deux dossiers, il est toujours fortement encouragé, recommandé de caviarder tout ce qui est nominatif. Alors, si par exemple, vous pouvez le faire ou les archives le font, excellent. Si on ne peut pas le faire, c'est correct dans le sens que on comprend la réalité. Les archivistes ne pourront pas toujours caviarder toutes les informations, mais sachez que c'est toujours recommandé de notre part de le faire. Et le fait que vous le déposez sur le site sécurisé de Mon Espace, Mon Inspection, sachez que c'est vraiment sécurisant pour nous de savoir que ça va vraiment dans cette dépôt-là. Et si vous devez continuer à le faire par papier, hein, par la poste ou par courriel dans notre boîte d'inspection, toujours avec des mots de passe pour caviarder, on comprend, mais d'avoir un mot de passe pour protéger chaque fichier qui est envoyé. Merci. Puis juste pour être bien certaine, puisqu'on a plusieurs questions, on voit que les gens sont préoccupés par la confidentialité et tout. La liste à l'étape 1 des dossiers qu'on doit fournir, est-ce que c'est tous les dossiers, quelques dossiers? C'est vraiment la liste, la charge de cas au complet. Alors, si je travaille au programme SAPA, puis j'en ai 80, on demande toujours de fournir la liste au complet de qu'est-ce que j'ai actuellement sur ma charge de cas. Et encore là, est-ce qu'on parle de dossier, des numéros de dossier ou est-ce qu'on dénominalise? Si on peut laisser les numéros de dossier et éviter de mettre le nom et prénom de la personne, excellent, ça va vraiment assurer la confidentialité. Au moins que l'inspectrice peut facilement identifier certains dossiers. Alors, si c'est numéro 1, 2, 3, l'inspectrice va être en mesure de dire à la personne inspectée, pourriez-vous me parler de le dossier 1, 2, 3? C'est-tu celui-là qui a une activité réservée? C'est vraiment pour cette optique-là qu'on utilise. Alors, si vous pouvez caviarder le nom, prénom, excellent, et garder simplement le numéro de dossier de la personne ou l'usager. Merci. Donc, en fait, c'est plus pour vos objectifs à moyen terme là, pour inclure les membres qui ne sont pas en pratique directe au niveau de la clientèle. Vous m'avez répondu là, que, dans le chat que qu'on va être intégré éventuellement. Mais est-ce qu'on va avoir un petit peu des balises sur quoi on pourrait être inspecté quand on n'est pas en intervention directe, question de se préparer à l'avance, puis de ne pas être hyper surpris quand on reçoit un avis d'inspection dans un an ou 2 ans? Très bonne question. Ça s'en vient. On n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Aussitôt que nous, on finalise le tout, vous allez être informés, c'est sûr, comme on vient de faire avec vous, avec ce nouveau programme-là, soit par les infolettres, soit par autre moyen, mais on va vous aviser à l'avance, ça c'est sûr. Super. Rosanna, on a une question que je trouve très pertinente. Là, en dehors de la présentation de ce midi,
bon, et des outils qui sont disponibles sur les sites web. Pouvons-nous communiquer avec quelqu'un de l'inspection, de l'équipe pour répondre à certaines questions, interrogations ou préoccupations? Si oui, comment? Oui, bien sûr. Alors, c'est une très excellente question. Alors, on a soit par courriel la boîte d'inspection que vous pouvez toujours nous communiquer ou bien par téléphone à la boîte de mon dos, le poste de 91, hein, les filles, de 93, de 93. Qu'on pourrait mettre, On pourrait le mettre dans le quelqu'un de l'équipe pourrait clavardage. mettre ça dans le clavardage, tout à fait, puis vous pouvez Oui. garder. Puis, si jamais vous êtes visé par un avis d'inspection que vous avez reçu dernièrement, parce que ça débute, hein, on est déjà dans les envois. Alors, si jamais vous êtes touché par le premier avis que vous l'avez reçu, n'hésitez pas de communiquer avec nous par mon espace. Bien, dans mon espace, vous pouvez toujours aller pour si jamais vous avez un report, prolongation ou exemption à nous faire comme demande. Mais sinon, vous avez toutes les informations aussi dans l'avis d'inspection de comment nous communiquer. Alors, soit par courriel à la boîte d'inspection, soit par le numéro de téléphone avec le poste 293, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Ingrid a mis les coordonnées téléphoniques, puis vous avez également là, le lien vers le formulaire pour joindre le service à la clientèle, l'inspection. On avait Sonia. des questions, Rosanna, en lien avec l'avis d'inspection. Il est transmis comment dorénavant? Comment on le reçoit? Alors, l'avis d'inspection part, la première part toujours 10 jours avant votre inspection, alors c'est-à-dire avant que le questionnaire se ouvre. Voilà un de les changements qui est important. Avant, on envoyait l'avis, puis vous avez déjà accès à votre questionnaire. Là, vous n'avez pas accès tout de suite parce qu'on veut vraiment vous préparer à l'inspection. Alors, c'est-à-dire d'aller sur mon espace, aller sur mon espace formation, mon profil pour mettre votre dossier à jour, faire la préparation en lisant les lectures, de communiquer avec nous si vous avez des questions. Alors, tout se passe par votre courriel, votre adresse courriel, d'où l'importance de toujours garder votre dossier à jour et par la loi d'avoir une adresse courriel valide. C'est toujours par votre adresse courriel que vous autorisez l'ordre de communiquer avec vous. Alors, c'est avec cette adresse-là que nous, on envoie l'avis par courriel. Merci. Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai une petite préoccupation. Disons que je suis une TS, quand même, je veux dire une vieille TS. J'ai eu à subir l'inspection, ben, subir. J'ai eu à avoir l'inspection en 2008, où ce que moi, j'ai eu un inspecteur qui s'est déplacé dans mon milieu, puis avec une entrevue, ce qui était vraiment un processus hyper intéressant et immensément constructif. Moi, ce qui me préoccupe actuellement avec avec votre présentation, c'est que quelqu'un peut passer la première étape sans avoir été rencontré. Donc, comment qu'on peut évaluer le savoir-être d'une personne quand la personne peut être, la travailleuse sociale peut être sur la coche dans sa tenue de dossier et tout ça, mais que sur le plan du savoir-être, ça laisse à désirer. Comme spécialiste en activité clinique, ben, j'ai été confrontée à ça. T'sais, des gens qui passent l'inspection, mais qu'on fait, ben, qu'on ne comprenne pas, dans le fond. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais c'est une grande préoccupation là, que j'ai déjà préalablement nommée dans d'autres circonstances, mais que je vais quand même vous soumettre. Bien, je vous remercie. C'est sûr que c'est une préoccupation que. On peut savoir tous, hein, mais vous allez constater que le questionnaire est quand même assez solide dans le sens qu'on est vraiment sur les savoirs, on est sur les compétences, on est vraiment sur les normes générales de la pratique des travailleurs sociaux. Alors, on fait confiance au questionnaire et s'il faut qu'on s'ajuste, bien c'est sûr, on va s'ajuster, hein, et on dépend beaucoup de vous aussi, et je vais vous le dire avec toute honnêteté, sincérité et transparence. C'est une amélioration et accompagnement pour vous, mais j'espère que vous allez faire la même chose pour nous, c'est-à-dire de nous revenir avec vos commentaires suite à une inspection dans le sondage de c'est quoi les points d'amélioration que nous, on devrait faire. Puis je le prends vraiment, toute l'équipe à l'interne, on est toujours ouverte à tout ça, d'avoir cette critique-là pour qu'on s'améliore nous aussi. Alors, je vous remercie énormément pour la question parce que c'est important pour nous, à l'interne aussi, on a ce souci-là. Mais n'hésitez pas, si vous voyez des choses que nous, on doit améliorer, bien, on va continuer à améliorer, ça c'est certain.
Merci, Rosanna. Bien, on est déjà presque rendu à conclure. Je finirais peut-être juste avec une dernière petite question rapide. Les avis sont envoyés à quel moment? Là? Donc, on parlait qu'il y avait des avis qui étaient déjà partis au mois de mai, mais est-ce que ça se fait en continu ou par période, par bloc? Alors, les avis partent toujours le lundi pour que les 10 jours plus tard, l'ouverture du questionnaire, ça va se faire les mercredis. Et effectivement, c'est à tous les semaines. Il y a des petites cohortes qui partent à tous les semaines. Alors, il va y avoir des moments dans l'année qu'on arrête ou bien qu'on diminue hein, les avis parce que soit les vacances ou les temps des fêtes, dépendant. Mais sachez que c'est à tous les semaines, une petite cohorte, les lundis quand ça part et les mercredis pour avoir l'ouverture 10 jours plus tard. La raison qu'on a décidé de le faire de cette façon-là, c'est parce que le mercredi, quand le questionnaire se ouvre, bien, on a toujours la possibilité de communiquer avec nous rapidement le mercredi, jeudi, vendredi. Et là, on ne vous laisse pas dans le vide si vous avez des questions, mais on est vraiment sur des journées ouvrables pour vous comme pour nous. Super, merci beaucoup. Je tiens à vous rassurer aussi si on n'a pas répondu à vos questions. Toutes les questions qui ont été inscrites dans le clavardage, on a un rapport, donc elles sont enregistrées, puis pourront être transmises à l'inspection. Il y aura d'autres objets de communication dans les infolettres, etc., par rapport au nouveau programme d'inspection. Donc, ben, je veux vous remercier, hein. Vous avez été plusieurs à être avec nous pour cette rencontre d'informations sur le processus d'inspection professionnelle. On espère qu'on a répondu quand même à plusieurs de vos questions, puis démystifier un peu le processus d'inspection. Donc, en terminant, on aurait deux petites questions encore de sondage qui vont apparaître à l'écran à l'instant. Donc, est-ce que vous vous sentez mieux informé par rapport au processus d'inspection professionnelle? Et la seconde question, quel est votre niveau d'appréhension par rapport au processus d'inspection? Donc, voilà, puis nous, ben, ça nous permet, comme disait Rosanna, de nous améliorer en termes de communication, d'informations qui nous sont transmises également. Puis si je peux, Stéphanie, dernier petit point, vous venez de voir la capsule, hein, c'est un moyen de vraiment vous aider à vous préparer, mais on a aussi un guide d'inspection professionnelle qui est présentement en ligne. Alors, vous pouvez vraiment le consulter, on vous encourage d'aller le lire. C'est vraiment étape par étape, on vous explique tout le processus, un peu comme on vient de faire aujourd'hui. Vous avez les coordonnées là-dedans aussi de comment nous communiquer. Puis de plus, ben, on est là. Alors, vous avez tous les moyens possibles. On est prête à vous recevoir avec vos questions et de vous accompagner tout au long. Merci beaucoup, Rosanna. Donc, je pense que mission accomplie. Il y a plusieurs d'entre vous, le 98% qui nous disent qu'ils se sentent mieux informés. Il y a encore des appréhensions, mais sachez, là, comme ça a été mentionné, que vous pouvez communiquer avec l'inspection par téléphone, par courriel, via le service à la clientèle si vous avez des questions qui demeurent et vous informer sur toutes les informations qui sont sur la page, sur le site web, la capsule, etc. Donc, mais merci beaucoup. Puis, ben, n'hésitez pas donc à contacter les personnes de l'inspection si vous avez des questions. Puis, c'est ce qui mettrait fin à notre webinaire. Merci pour votre participation. Merci.